Bon, Herbie, mwen gen kontan ansanm avèk ou e jodi an tou e nou te pwemye moun yon tab la e mwen kwe jodi an fè nou twazyèm samdi e donk se toujou avèk anpil plezi ke mwen ansanm avèk ou Herbie e pi pou nou wè ki jan nou ka ap repon ki sou fanatik yo pendant tout semen nan nou wè ni ke fanatik yo te toujou ansanm avèk nou suiv tout sa nou la gè yo Donc li important pour que nous kembe contact ensemble avec yo pour que nous capable et communiquer ensemble avec yo répondre question yo et puis interagir ensemble avec yo parce que ça très important pour que nous fait li et c'est toujours avec un pile plaisir que nous même nous fait ça et... Yeah, mwen pense ke ou di l'essentiel et mba kwen bezwen ajouté dan yon kwè bi. Nou jis ap suiv pou nou ki jan ba yo ap evolue. Et puis tan pou jodi la, et moun ki viktim yo ki yo jwenn justis, lè nan pale de moun ki viktim yo, nan pale de ti medam yo ki et ki ta aparanman viktim et ki selon anket yo yo akize dadou et ki te dadou li menm tou nan pale de Yves Jeanbah, prezidan Fédération Haïtienne de Football la. Si c'est monsieur qui victime tout par rapport à accusation ça aucun monsieur joint justice li étant donné que moi ouais que monsieur commencé à entreprendre et des initiatives et auprès de la justice attaquer et au même Odina donc n'importe qui gens et situation li même là évoluer pour nous capable continuer bail et point de vue nous sur ça pour nous parler ensemble avec fanatique et pour fanatique interagir ensemble avec nous tout pour okay. Monsieur qui gens pas évoluer OK Yeah, moi fon coup d'œil sur live là, fanatik yo te di que voix m'bat sorti. Oui, konya m'ba se que voix m'ta supposé ap sorti là, by fanatik yo. Juste pour me connait parce que ça t'est arrivé c'est que et comme n'a bon problème. So, oui, moi t'ai juste pour et parler, nous t'a parlé de bagarre fédération mais avec Paul, nous t'a dit et que nous pas en position, c'est juste n'attendre que enquête faite. OK. Fanatik, est-ce que nous t'attendem kounya? Nous t'a supposé attendem kounya. Okay, si voix yo bi sorti et fait nos messages, fait nous check. Nous bon kounya. Yeah. Okay, good. Yeah. Oui, so n'a pas enquête faite et n'a mm-hmm. pour nous ka make sure que justice faite et n'importe qui parti qui mérite justice. Ah, donc Paul t'a agree sur ça avec mais puis Bon, nous va le frapper là et n'a pas fanatique monté et puis as a matter of fact, jodi a moi décidé font bagaille un bagaille qui totalement différent but m'attend plus monde monté, so m'encourage en pile monde share live là sous tout groupe que nous que nous la donne share li pour nous ca augmenter audience hein? Et parce que jodi a m'gen un bagaille que m'a fait cadeau pour fanatique, c'est spécialement fanatique qui suivent nous Haïti a intéressant. Yeah, so gen pile fanatik ki m konnen ke bio gen un pile fanatik ki Haiti, so mwen promet fanatik yo avant la a fini m'a poton bagay pou yo. OK. Bon, m pa même konnen sou de gen surprise pou fanatik yo, mon cher, c'est intéressant. Mais en attendant nou ka e retourner an di sou en attendant ke moun yo monte, ka retourner sou on di I like ki pendant semaine nan avait dit que sou sujet ke m te parle yo. On deux trois phrases opinion nous sur et sur sujet que tu parlé pendant semaine là Abi. Oui. So pendant semaine là et avec Bio ça que nous t'ai traité premièrement nous t'ai traité et dossier Bundesliga qui recommencer et nous que championnat recommence à prendre vie
et plusieurs côtés en Europe. À Yes. savoir, Allemagne, reprend la Liga fait bah, une date pour y recommencer. Et nous-mêmes font petit passé sur ça. Mais et m'a connais sur des gombara ou devle ajouter sur par rapport avec ça qu'a fait en Allemagne à Konya. C'est évolution, c'est que il y a quelques joueurs qui ont même refusé et on dit et recommencer à entraîner un groupe. Parmi lesquels et N'Golo Kanté moi quoi dans Chelsea et c'est un joueur qui refusait entraîner un groupe et par peur et pour que lui-même n'y attrape coronavirus non et puis il y a tout Danny Rose moi quoi qui t'a fait une déclaration qui était assez choquante pendant la semaine dans tout et qui moi quoi que c'est un bar qui est important pour nous signaler monsieur qui dit que il a utilisé joueur autant que de rat dans le laboratoire comme si tu as fait des Testé expériences avec Il a testé yo pour voir qui j'ai réagi par rapport et avec les mesures qu'il a pris. Et monsieur même dit que yo pas pris de mesures anti et strictes pour protéger eux, bien que je pense que monsieur allait trop loin dans la déclaration là. Mais l'idée de rat dans le laboratoire là, c'est comme si on a dit que monsieur estimait que yo c'est des premiers et monde qui pral rentrer en contact de groupe et pendant que pas gagné aucune certitude sous moyen de protection. Ou songez que nous avons parlé de ça, nous avons dit que par exemple en Allemagne, nous avons mal joué. Et puis pendant que le joueur souterrain, il y a un collat l'autre, et puis sous banc, ou joue avec masque, Il a fait et social distance il a fait sociale. distance sociale. Et il paraît un petit peu paradoxal. Là, il dit que sous prend deux images, ça vous mettez une côté l'autre, vous sentez que manquer on dit et pas une constance dans ce qu'il a fait là. Donc s'il a fait distanciation sociale, pas t'as doué gagner un match. Je comprends que fanatique pas dans le stade, non, parce que on parle de fanatique, on parle de milliers de monde. Mais si c'est joueur et entraîneur, si il y a un test qui fait dans 20 matchs et puis tout négatif, pour moi-même, il n'y a aucune raison pour que l'autre distanciation sociale qui fait encore sous banc. Bien que peut-être que y a dit dans tête, c'est y a essayé par exemple. Mais pour moi, et il paraît un petit genre compliqué, et Danny Rose critiquer ça, mais vraiment et de manière très sévère. Pour dire que bon, c'est un courant qui dans le laboratoire, il a observé avec eux. Parce que ça, So, il faut moins. vous pensez et vous devez appliquer même bah la France que vous êtes juste campé parce que Jean bah là est là c'est comme si Jean Danny vous dit bah là et c'est juste un expériment lié qu'on y a là et pas En fait, et on va parler, continuer. non et pas vraiment comme si malgré tout le monde était content que date bah et que championnat va le reprendre mais pas vraiment une stratégie qui pour faire bah là sur le terrain. En fait, m'a dit que par une stratégie, parce que ça arrive. Dans le cas de Danny Rose, moi, essayer de comprendre un petit peu. Songez bien, nous mettez en pile en phase sous on dit niveau sécurité joueur. Vous avez dit que santé joueur. D'abord, c'est ça qui est pour priorité. Maintenant, tellement gagné on dit répercussions économiques sous pas jouer compétition. Vous avez dit que n'a pas les deux salaires de joueurs qui a coupé, n'a pas les deux entraîneur qui n'a pas touché, j'ai supposé toucher. N'a pas les deux mouns qui travaillent dans l'équipe et qui pas travaillent dans le moment parce que pas les matchs. N'a pas les deux caméramans. Ça veut dire qu'il y a une chaîne de et ressources humaines qui pral vraiment entrer en crise si la compétition ça ou pas lui-même et pas jouer. Et n'a pas les deux contrats télévision, c'est-à-dire les télévisions qui retransmettent les matchs et télévision ça ou tout, il y aura l'affecté. Et n'a pas les deux publicités, ça veut dire que produit qui fait publicité à travers. Et on dit ligue ça yo pas obligé camper tout yo même et ça lui même tout même mon cap travail dans compagnie ça yo y a quelque chose ça veut dire qu'on a parlé d'un gros compagnie et de gros chaînes de compagnie qui ensemble si compétition ça va prendre camper qui va l'affecter ça veut dire que moi même on pas pour yo totalement camper ya mais faut gagner des mesures qui capable mettre joueurs yo en confiance pour que recommencer et je suis certain que la plupart des joueurs veulent recommencer, mais ils veulent et get back to work. Parce que, il y a une équipe, pas oublier que, en parlant de ça, songez que dans ce moment-là, tout, il y a une sorte de, qui j'aime dire ça, et on recense, et pas recensement, et il y a été fait une sorte d'enquête auprès des joueurs de la première ligue, côté qui ont demandé des joueurs, est-ce qu'ils ont senti une dépression? Est-ce que, il y a un feeling comme si on a dit qu'ils mettent fin à la vie? À qui ça va dicter? En pile, on dit addicté avec jeux vidéo. Ça veut dire que les gens voulaient recommencer dans la vie, même si ce n'est pas normal, mais recommencer à jouer à l'IS. Ils ont senti qu'ils ont gagné un but.
Parce que pas oublier les joueurs, ce sont des joueurs professionnels, c'est ce qu'ils font pour vivre. Mm-hmm. Il y a des qui t'ont même parlé, dit que yo peur pour que et on dit situation la vie, vous avez dit que j'ai un train de vie yo, pas affecté. Donc on paquet de bagaille et pas penser que Danny Rose un peu gain raison en termes de et moi senti que apparemment ballon petit genre trop vite. Mais et pas penser que c'est de rat dans laboratoire que yo parce que on paquet un dit essais cliniques qui déjà commencé fait déjà et dans différents pays. Aux États-Unis par exemple, il y a un troisième essai laboratoire qui a fait avec environ 30 000 monde. Donc monde ça yo et c'est deux monde qui volontaires qui pour entrer qui sont capables aussi au cas de nouveau vaccin, même pas parce que joueurs première ligue forcément c'est des joueurs yo qui a utilisé dans courat. Je suis allé trop loin dans sens ça me baser. OK. Et gain pendant que on a parlé là, grand pile monde qui gain de commencer à faire des interventions sur plusieurs là-bas que nous parler par exemple actually Gilles Latouche. Gilles Latouche et dit faut que telle fédération mette koyo sous côté pour enquête la ka fait. So monsieur fait d'après moi monsieur fait allusion avec pour négota temporairement et descendre de portion, retirer koyo dans portion pour enquête yo ka fait normalement pour yo pour pas grand ken mélange en baio. Et so oui, par rapport avec Gilles Latouche, qui sont pensé, est-ce que pensez que négota supposé temporairement retirer quoi yo la tête fédération pour travailler la cafette pour enquête la cafette. Au sens j'aime te parler de ça déjà Herbie, et moi un peu d'accord ensemble à monsieur, mais maintenant nous savons tout ce que pas faire. OK, et de n'a gonna do it because nèg yo gen trop intérêt en jeu pour que ta retire tête de la fédération ne serait-ce que provisoirement et juste pour capable permettre enquête la fête. OK. Mais nous tout connaît par rapport à influence fédération, par rapport à influence président fédération en lui-même particulièrement, on parle de Yves Jambord et monsieur président dans tête fédération, veut dire qui ça? Veut dire que conseil de monde qui dans chaîne, on dit monsieur c'est premier monde qui vient dans chaîne là, dans hiérarchie et puis vient gagner et on dit les directeurs techniques représentant et comme si base de comme si les directeurs de commission etc. Ça veut dire que moun sa yo, le fait que on dit toujours en poste et que Dalou toujours en poste, li ka pi difficile pour jwenn témoignage franc et sincère nan men yo que si yo konnen que Dalou pa président fédération même si c'est provisoirement ou du moins ba on est n'importe janier en attendant que enquête fini, li ka pi facile. Il est plus difficile pour jeune témoignage franc et sincère dans même monde ça. Et même bagarre pour petit mesdames yo tout ou bien pour petit monsieur dame yo qui dans camp. Et si on connaît Dadou par là, ça ca peut-être ba yo plus en dit liberté, sentir plus libre et puis puis en sécurité pour que yo ba un témoignage. Avec monsieur la fédération, situation plus compliquée. C'est pas que enquête la pas ca fait non, mais si pour ta montrer bonne foi et collaboration a réussi enquête là pour la vie monsieur, et la meilleure chose serait que monsieur démissionne. OK, monsieur step down et puis li bail que enquête la fait. Mais nous connaît que ça va faire donc monsieur quoi que fait, yo demandé pour que et yo demandé pour que grand enquête et NDH enquête et NDH sorti on dit un document de près de 7 pages et 12 ou 13 pages, merci. Et dans recommandation yo m'a dit que monsieur mettez colle sous côté. Et la meilleure chose dans cette situation c'est que yo t'a décidé mettre colle sous côté. Oui, parce que soumand des enquête. Et puis insistement des enquête là. Ça veut dire qu'on fait confiance. Et bien rapport enquête là et recommandation t'a supposé suivre tout. Et jusqu'à présent ça fait quelques jours depuis que ça a sorti nous autant de rien. Donc apparemment n'yo pas payé Dalou pas payé mettre colle sous côté d'autant plus que point que tout ça qu'a fait yo c'est justement pour qu'a mettre sous côté. Donc il m'a pensé qu'il a fait, mais ce serait la meilleure chose dans cette situation, mais et malheureusement et nous sommes en Haïti et la plupart du temps on sait de bagarre qui pas toucher nous. À l'étranger, je suis certain que tu as gagné en position qui t'entend qui paraît plus ou moins correct, mais pour le moment on n'est pas encore là. Bon, monsieur a payé défendre lui. N'a pas pour que ça fini. Oui, et oui, je suis tout à fait d'accord, même d'après moi. Et moi aller dans le même sens avec ou même avec Gilles là tout. Oui, t'as supposé et pour enquête là t'as fait Jean-Paul t'as supposé fait là fuck Dadou t'as temporairement déplacé, pas veut dire que il va démissionner et tout ça. Et j'ai l'impression que monsieur Lonsens tout li ont ti Jean peur pour le perdu
poste là si jamais que l'État temporairement descend et puis l'État vient arriver dans la position pour ne pas rejoindre. So, faut qu'enquête la fête. Et pour enquête la fête, une meilleure façon pour le ta fête, c'est que monsieur ta vraiment step down pour le point écor, pour le quitter, ça vient pour faire la fête. Et après, dépendamment du résultat, enquête la pour déterminer si monsieur supposé rester en poste ou bien si l'État supposé, et faire ça pour bien pour le faire avec la justice. Ça. Yeah, bah c'est ça qui est la meilleure solution. Mais maintenant, et... Je ne suis pas sûr que ça a fait. Si ça a fait, ça a vraiment très grand rapport. Et puis, pour monsieur poursuivre, monde qui soit 10 ans a fait différence sur lui. Yep. Et nous saluons tout, en pile monde qui a cher là. Il y a Maradona Nelson. Bon, Maradona Nelson, monsieur dit, monsieur, comment nous est là? Nous t'étendons comment. Et nous développons de nous comment nous est Chris Paul dans l'équipe Lakers, le bon avec Anthony Davis. Là. c'est une belle association parce que Chris Paul est à côté expérience comme étant point guard, d'autant plus que les Lakers besoin ont point guard qui capable mener qui plan pendant que LeBron pas souterrain. Mais maintenant le problème avec et Chris Paul et LeBron souterrain en même temps, ça va le retirer en disant tâche que le bon a fait pendant la saison. C'est-à-dire que faut qu'on t'a tout retiré le bon comme étant point guard équipe là. Pour que premier point guard là, t'a Chris Paul. Et, mais les Lakers, nous, elle est plus gros problème ni rien aujourd'hui. Là, c'est on bat comme point guard qui est capable de shooter, qui est capable de créer pendant que le bon passe au terrain. Maintenant, si Chris Paul vini, structure équipe là va obligé changer. Ça veut dire que le bon a obligé sortir dans poste 1 pour passer en poste 3 ou 4 et le sert toujours besoin en backup point guard parce que moi crois que si on a Chris Paul dans l'équipe là faut jouer ensemble le bon la plupart du temps. Ça qui arrivé quelques fois, li sous banc oui, pendant que et le bon souterrain a joué comme étant point guard. Mais maintenant mener Chris Paul dans l'équipe là pas résoudre tout problème Lakers parce que moi crois que Lakers besoin un joueur qui est capable de backup LeBron James, LeBron par souterrain, qui est capable de mener l'équipe là, tant qu'il monte dans second unit là, qui monte dans second unit là, et puis qui est capable de créer pop shoot, qui est capable de faire l'équipe là marcher. L'État a une belle association, mais il n'y a pas de résoudre le problème Lakers gagnent, parce que si Chris Paul l'équipe là, fuck, il joue ensemble avec LeBron la plupart du temps, et le reposer, LeBron n'est pas obligé forcément de retourner dans le jeu point de gueule, parce que pas oublier. Changer voyou de poste, changer dynamique équipe là. Pour le moment, équipe là presque le bon centre net. Ça veut dire que tout passe par le bon. Mettez Chris Paul dans l'équipe là, t'as changé dynamique ça, et t'as obligé repenser philosophie équipe là, et t'as still besoin d'un deuxième point guard qui pour backup Chris Paul, le Chris Paul pas souterrain, et pour moi même, n'est pas le bon, parce que dans le moment, et dynamique là, c'est le bon point guard. Souvenir que Chris Paul obligé de changer et la pour style besoin en l'autre monde cap sorti sous bonne second unit là. So ou pensez qui type de joueur ou pensez qui joueur actuel ou bien qui en free agent kounia ou pensez qui était ka bon dans rôle ça? En plus, on parle de Jamal Crawford que les Lakers étaient capables de prendre pour faire travail ça. Mais maintenant, le problème ensemble avec Jamal Crawford, là, Herbie, c'est que monsieur prend un point guard atypique. Monsieur, c'est plus on joue freestyle. Ça veut dire que monsieur, t'es quand on s'est gagné là, oui. Ça veut dire que mettez monsieur dans s'est gagné là, évidemment, la paix des Lakers. Mais maintenant, est-ce que le résout problème fait jouer là? Parce que c'est vrai que monsieur a créé shoot pal, li ka kreye shoot pou lot moun. Mais est-ce que monsieur ka kreye jouet? Parce que en pile fois moun yo konfon un joueur qui joue point guard ou bien qui joue shooting guard qui capable de faire passe décisive. Par exemple, on dit LeBron fait passe là, c'est comme si m'ta dou, c'est instinct même. Instinct c'est chercher moun qui démarque un créé pour coéquipier. Gen nèg qui fait passe là parce que yo wè possibilité pour faire passe là. Par exemple, on dit que on est Kevin Durant, il fait passe, il a un bel moyen de passe décisive, mais son joueur qui fait passe là, si par exemple, il bloque les puis il a possibilité pour le faire passe décisive. Gain joueur c'est parce que il est obligé faire passe là. Par exemple, on James Harden, c'est vrai que monsieur grand pile passe décisive, mais James Harden c'est le double team ni,
et puis sorti boule là. Ça veut dire que exactement, il créer un mismatch, il créer un double team ou un triple team et puis il cherche un monde sur côté. Ça veut dire que son instinct lorsqu'il joue c'est pas de créer pour les autres. Son instinct c'est de créer son propre shoot, créer propre shoot lui et puis si il bloqué, passer boule. Jamal Crawford presque rentré dans le registre ça selon moi-même. Son joueur qui remet boule en pile. Mais c'est pour un meneur de jeu. Mm-hmm. Maintenant, on parle de Darren Collison. Bien que monsieur dit que le pape tourne, Darren Collison pas un bon bagage pour les Lakers parce que monsieur a shooté, monsieur a pénétré, il a créé joué. Maintenant, monsieur, et on parle de Reggie Jackson, par exemple, qui est allé dans Clippers, par exemple. Mm-hmm. Et c'est un bon élément. Tout. Et qui l'autre monde encore en vent qui était gagné par Kona, qui était point de gueule pour les Lakers, qui était gagné sous yo. Et il a parlé de J.R. Smith. Mais c'est le même type de joueur, yo. J.R. Smith pas un point guard. J.R. Smith son joueur, évidemment, s'il vit dans la second unit, dans la BDO, la bombe, on Rajon Rondo, par exemple. Mais c'est pour un joueur qui peut mener boule pour vous, qui peut créer shoot pour vous. C'est un joueur qui a besoin de propre shoot pal. C'est un joueur qui joue un catching shoot. Tout. Et moi, même dans la tête, moi, pendant que je parle ensemble avec vous, je ne vais pas réfléchir à ça, je ne parle pas de l'autre type de joueur qui actuellement dans la ligue aujourd'hui. Hein. Et que tu apprends parce que les cas de situation difficile, il y a pas qu'à faire comme si par rapport à un genre salarié ou guitare salarié capi ou guitare il est très coincé dans fond deal que tu apprends quel que soit monde en termes de revenus, en termes de budget et puis tout en termes de qui monde au cabaye parce que si on dit ou pas pour bon joueur par exemple qui point que je dis faut d'abord pas qu'on ait qui est quoi bail par exemple. Pour qu'on ça. Donc tout ça et Livin fait pas compliqué pour les que sont monde qui vraiment agent les qui pas dans ligue là pour ta joindre qui a fait travail et dans moment pas vraiment qui agent libre en moment là qu'on y a. Non. Et en tout cas pas dans style que les que forcément chercher ou bien besoin. Et donc et même et faut moi dire ça moi crois que et mon type Jean Casir agent monde tout. Et pas connait moi mais même senti que monsieur fait travail là peut-être que mettait trop pression sur lui comme si pour le tabail produit plus et que ça la produit hein. Même penser que les Lakers gagnent les masses jodi hein pour que li batte parce que jodi ça arrive yo parmi les trois meilleures équipes de la ligue vous avez dit que n'a pas eu Clippers n'a pas eu Milwaukee et Lakers mm-hmm. Peut-être que on joue qu'on ça capable mettre au-dessus de tout de l'autre deux équipes ça yo. Mais pour moi-même, si Anthony Davis produit basket pour le produire, et même Andy tabar un petit bar en plus, les cœurs supposés et penser sur l'autre monde. Parce que pour moi, Anthony Davis, c'est facteur X. Match-up lien par les gens qui sont capables de gérer. Donc si Anthony Davis allait au-dessus de moyenne, même si c'est de 5 à 10%, ça va supposer faire différence pour moi-même dans l'équipe les cœurs. Yeah, but it's m'dawal du tout, mais moi pense que Rondo, jusqu'à présent, style de joueur qu'on coupe Rondo, c'est ça que les Lakers t'as besoin qu'on y a là, parce que et Rondo fait jouer là, lui aide fait jouer là, mais j'ai l'impression un pile mon ouais Rondo qu'on y a là, il voulait ces mêmes productions Rondo 2008-2009 qui tape champion avec l'équipe Boston Celtics, ça, il pourra le joindre, qui pas tout à fait le cas, parce que l'âge commence à monter sous nega et effectivement monsieur pas balle même rendement bon penser que Rondo pour production que monsieur balle pour Lakers a assez et il y a pas besoin m'pas croire que m'pas ouais véritablement qui est m'deka dit si et j'en dis tout si Lakers ta manqué al de un nega connia là il va l'obliger craser et en pile dans sa sécurité il prend pile temps pour construit par rapport avec trade Anthony Davis joindre LeBron et tout ça bon m'ba vraiment ouais qui est à part de Rondo le moment là qui peut faire travail là parce que Chris Paul pour le moment contrat Chris Paul là son contrat qui yo considère ça comme bad contract qui son contrat qui ca coquer la cour OKC pour long terme parce que Chris Paul a prend l'âge m'échappé des blessés et li soudé long contrat qui extrêmement cher et que Lakers pas après le moment et l'autre monde que Lakers et que en pile fanatique parler de lui tout c'est Bradley Beal peut dire moi même situation parce que contrat monsieur trop cher pour Lakers dans le moment là so m'ba quoi vrai véritable si Lakers t'as des un point guard là qu'on y a ou bien n'importe monde pour ta essayer améliorer équipe là son joueur pour y aller en discount pretty much
Yeah, son jwe ki pral, ki yo pral den nan diskont, e fonse mwen, e bare men general men nan mitan sezon pou a fèt de deal kon sa, kom si mba djou, de ba etet chou, e pou met nan ekip. Son jwe ane panse, ane an wou men mwen vidi, e le Cleveland te al kon paket jwe met nan sistem yo an, penan ki te nan problem. Ba, nan yo vin yo fè onse men ap gen menen, e pi apre sa, ou senti ke se te vremon bagan katastrofik ke lte, poske yo pat fonse mwen jwen eleman ki yo te bezwen yo, et yo prend quelques jours qui paraît quand on dit changer système là il vient bail qui blon TV mais pendant quelques temps rivé dans playoffs ou ouais que production qu'on t'a tant côté espérer dans mais c'est pas ça donc sous pas gagne monde idéal là et me pense que ou doué goumer avec son gagne dans mais pour que ou atteigne l'objectif qu'on voulait hein et me pense que les Lakers gagne c'est talent dans équipe ça et le bon Anthony Davis c'est déjà un gros duo. Maintenant, le plus gros problème, c'est Kyle Kuzma. Le plus gros problème, c'est Kyle Kuzma. Tout le monde pensait que M. Tabral vini un bon troisième pion. Mais jusqu'à présent, et M. Inconsistant, bien que le troisième meilleur score de l'équipe, mais son mari inconsistant. Je dirais qu'il a 20 points, 2007, après 2011, on joue 25. Mais il a besoin d'un bon 20 points. On steady 20 points dans le même monsieur. Night in, night out, pour que l'équipe en bail production qui a besoin. Hein? Et puis, on t'a plus remé ou et tout, et mon kiff, jouer plus minutes pour moi qui s'en a produit beaucoup d'Anthony Davis avec le bon. Je senti que yo sous-utilisé, monsieur. On t'a remé ou monsieur, plus, par contre, le playoff privé, le oubral chouin effectif, diminuer effectif à 7, 8 moun, 9 moun maximum. Est-ce que monsieur a gagné plus minutes parce que pour le moment obligé fait tout le monde jouer pour être capable gagner et on dit pour être capable d'étirer qui plein plus retirer sur charge sur une série de joueurs mais nous qu'on est couplé au privé bah yo il y a diminué effectif là pour Markif là et point moi c'est le monsieur le moment monsieur intégré équipe là c'est le moment ça ligue là la ligue là vient camper tout ça li et li yon ti jan bay en sorte de arrêt dans la dynamique ou bien l'automatisme qui t'a de créer entre nèg sa auto. Yes, ou tout a ban gen raison. Mais moi dans plan NBA bay tout yo parle de 5-6 match nèg yo joue avant playoffs. Mm-hmm. Et si ça t'a fait, pa konnen ki jan yo pral essayer. Ban ki jan yo pral essayer ajuster yo parce que moi pense que à partir de l'année on supposé commencer ouais en série de dynamique qui a développé pour que yo on dit arriver dans playoffs yo avec un maximum ou bien un minimum de d'alchimie de jeu d'ensemble pour que c'est pas leur arriver dans playoffs c'est a dit OK on joue comme ça pour guitant qu'on est en série de automatismes ce que me pensais Clippers pas gagner et parce que m'a regardé tirer de Jackson monsieur est entraîneur équipe monsieur fit et comme c'est son place était quitté pour monsieur plug and play exactement plug and play tant que j'en dis là Marcus Morris même jouer deux matchs qui bat victoire même ce que me parler avec Markif mais évidemment Markif c'est un moins bon joueur que l'autre frère l'autre jumeau à Marcus et Robertson Pelissier par rapport avec et by Wando monsieur dit tu gagne pas quand tu es dans top point guard dans la ligue là qui ça nous penser qui fait carrière monsieur campé et même paraître à faire back. Bon, mais même Dekadi et bien deux bagages avec Wando, monsieur passe en pile l'équipe. So ça on tient écrasé la progression que monsieur t'a dû faire parce que monsieur a jeune parce que monsieur a une réputation monsieur c'est pas écrasé l'équipe là. So en pile monsieur toujours la faute avec entraîneur et tout ça. So et ça fait en pile l'équipe qui toujours voyer monsieur aller. Ça c'est un deuxièmement moi penser avec l'âge tout parce que Wando c'est pas un mec qui gain 25 ans encore, il va on est qui gain 26 ans ni 28 ans, Wando la trentaine ni. Donc avec l'âge et production baissée spécialement si ou pas un joueur qui était élite quand par exemple les LeBron James, les Kobe Bryant dans l'époque yo, ou pas vraiment réaliser que ou pas toujours remarquer que ça nèg la te kon fè en époque pas même avec ça la fè kounya parce que li pa ton joueur qui était élite so marge de progression monsieur pas dans même niveau avec Nexao c'est et pendant l'abdescend plus rapide pour Nexao.
Écoute, on a parlé de quand même 2008, 2009, 2010, c'est pas que Rondo était dans un des meilleurs basket league. Ça fait quand même 10 ans. Hein? Ça fait quand même 10 ans et tout le monde n'a pas le bon. Le bon, c'est peut-être le seul joueur de la dernière décennie. Ça veut dire que si nous prenons la décennie 2010-2019, et puis nous avons 2020 qui va continuer là, maintenant, si vous regardez tout le monde qui était jeune en période ça, qui était dans le PQ, et qui est-ce là aujourd'hui, et en début décennie, qui est le même niveau. Et peut-être, on ne peut pas dire Kevin Durant, parce que Kevin Durant qui était gagné au KC, époque 2012 et 2013 là, son Kevin Durant qui vient plus mature, qui peut-être vient plus tranchant. Et bien que, on dit que dans la période de Sartou, M. était meilleur scoreur de ligue, ce qu'il n'a pas fait dans le dernier bout de décennie, mais pour moi, c'est par rapport au fait que M. Vinal, Golden State Warriors, côté que l'oblige de partager le leadership avec deux autres joueurs qui cassent score en pile, qui fait qu'une barre joint. Maintenant, qui est encore capable de prendre? Il y a très très peu de joueurs et côté prendre un décennie, ça qui dans le et puis qui toujours qu'il y a le même niveau. Et ceci, le bon soit considéré lui-même, qu'il était déjà commencé depuis avant ça même. Donc, on doit arriver en face, côté que non seulement M. a vieilli, il y a plusieurs blessures qui dérangent. Et puis, il était dans l'équipe côté que il était un ballon dans le même tout le temps. Ce que il n'a pas gagné opportunité un jour. C'est-à-dire que même qualité de production et même quantité de confiance qui était fait là, il n'a pas fait le confiance ça encore aujourd'hui. Et il fait un bon petit passage dans New Orleans Pelicans, mais il n'y a pas de carité parce que son joueur qui a un problème de tempérament. Tout côté, monsieur Passé, il a un problème à Coach. Dans les Lakers, nous n'attendons pas ça. Mais son joueur qui a un problème de tempérament, je pense que ça a joué un peu tout dans l'instabilité qui gagne dans monsieur Capmouf, dans l'équipe en l'autre, et qui descend tout dans la qualité de production parce que l'équipe en l'autre, son l'autre lot système et son l'autre coach, des philosophies différentes, etc. Et monsieur toujours croit que li ouais jouer là puis bien qu'on coach donc et ça anti gens difficile. OK, so m'a regardé parmi question tout là moi ouais. Oh, bon question là qui est très intéressante et guys, bon travail. Et ça c'est Erino Erino Meron monsieur Meron. Yep. So monsieur dit bon travail guys, moi t'a voulu faire nous un petit comparaison entre deux backcourts, Bradley Beal, John Wall versus CJ McCollum et Damian Lillard. Et moi CJ avec Damian Lillard là. Pour sacrifier dans cas John Wall. John Wall avec Bradley Beal tap est très intéressant. Oui, mais moi crois que John Wall bon niveau que yo pense que il t'a atteint que le pas jamais atteindre. Et pour moi même dans le moment décisif je me senti que monsieur pas répondre dans niveau pour l'atteindre et Bradley Beal explosé hein? Et selon moi même c'est parce que évidemment John Wall pas là, ça veut dire qui ça veut dire que et sous garde Bradley Beal pour contre lui pour garder John Wall pour contre lui pour qu'a dit qu'est-ce que tu as supposé puis bon que CJ et Damian Lillard, mais maintenant mettez Bradley Beal bon côté John Wall. Je ne suis pas sûr que la même qualité de production là-bas aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, si je prends CJ, je mets CJ dans l'équipe pour compte côté que je sais mettre, je pense que CJ a à peu près, on dit, 100 Bradley Beal à BAM. Et je crois que Damian Lillard aujourd'hui a un meilleur joueur que John Wall, par exemple. On nous rappelle que quand même Damian Lillard, pour tes équipes Portland Trail Blazers, bat OK si pour compte lui et presque, je ne dis pas pour compte lui. J'exagère, mais bah OK si qui gagne là dans Paul George ensemble avec et Russell Westbrook et monsieur joue deux matchs playoff extraordinaire de barre qui a prêté dans histoire ligue là. Par exemple shoot monsieur fait qui côté que le fait Paul George babay là avec et Westbrook son barre qui a prêté dans histoire ligue là pour des années, même on dit pour toujours, parce que David dit que là on va parler de shoot décisif et puis historique spectaculaire. Shoot ça avant de la donne. Et son joueur qui a 40-50 points sans problème, ce que John Wall n'a pas fait. John Wall est un meilleur meneur de jeu que Damian Lillard. Mais Damian Lillard, l'autre package, là. Le joueur complet en soi, ça veut dire que monsieur, c'est un meilleur joueur que John Wall. John Wall est un meilleur défenseur, un meilleur playmaker. Mais monsieur, pour moi-même, depuis lucide dans le jouet-là,
li pi calme, li pi tueur, et sous besoin un monde qui ka traîne une équipe, je pense que Damien Lillard ka fè un belle distance entre lui-même ensemble avec John Wall, et puis pas oublier John Wall son joueur qui blessé tout le temps tout. Donc moi je pense que John Wall et Bradley Beal pour moi-même pas plus bon que CJ et Damien Lillard. Moi dans CJ et Damien Lillard là moi-même. Moi même raison qui fait même m'a prend CJ avec Damien, c'est pour une raison même parce que Nex a joué plus sérieux que John Wall avec Bradley Beal. Et c'est plus pour John Wall parce que John Wall quand petit tempérament on est qui par rapport avec Jean monsieur t'es sorti tout et puis monsieur grandi et puis monsieur vin rivé côté lié à là ça j'ai l'impression ça joué dans le type de tempérament monsieur avec Jean évolution monsieur en tant que joueur donc et ça fait moi-même moi plus ouais que CJ avec Damien Lillard Nego plus pour un joueur là au sérieux et que Nego en vie gagne vraiment par rapport va sentir ça vraiment côté pas plus pour Bradley Beal non mais pour John Wall. Yeah. Et en fait moi d'accord ensemble avec vous. Moi d'accord ensemble avec vous et moi Damien Lillard même depuis le et moi regarde one playoff. Son j'allais passer même Denver. Je n'ai éliminé Denver pendant qu'il n'y a pas de favori. Je n'ai pas pris au KC. Écoute, c'est une superbe équipe. Et je pense que si je n'ai pas joué à un niveau que je n'ai pas joué en vente de blessé, hein, et avec maturité, je n'ai pas danger pour n'importe qui équipe dans la conférence Ouest. Donc, moi, j'ai aussi ma colonne avec Damien Lillard. OK. Pendant que parce que grand pile question moi qui monter là so, c'est au fur et à mesure ça qui vient en bas je me rapidement et puis moi comme ça fait yeux monti j'ai tout côté tout Gilles Latouche dit monsieur bon travail moi grande question est-ce que nous pensez que Zion Williamson c'est pas futur le bon James sans jouer là mais dans version améliorée si s'il pas blessé comme ça ne pense non ça qui vient dans style Zion je suis un super joueur s'il pas blessé vraiment tant que j'en dis mais maintenant pour le bon James ça veut dire que ça c'est pour le bon James ça veut dire que c'est 4 MVP season c'est 3 MVP finals c'est 3 titres NBA. C'est déjà, écoute, le bon déjà troisième meilleur scoreur ligue là aujourd'hui là et le bon le top 10 meilleur passeur décisif ligue là et c'est 27.7 rebonds 7 assists par match. Écoute et pour dire que monsieur pour le prochain le bon là il est difficile parce que je pas quoi que monsieur qui a habilité passe on le bon par exemple. Et m'pa kwè tout que monsieur gagne habilité andi rebond on le bon et quantité points peut-être que monsieur ka gagne en moyenne 27 points par match là mais li quand même difficile pour Kembel sur une longue période c'est-à-dire que moi pas connais moi pas sûr que monsieur a forcément le prochain le bon parce que le bon n'a parlé quand même de et andi top et si j'aime regarder ça là le bon c'est quand même top 5 minimum ligue dans l'histoire. Prochain le bon dit que monsieur a parmi les 5 meilleurs joueurs de l'histoire. Et moi pas quoi ça et moi pas connais que et moi pas bon qu'une certitude que monsieur ca prochain le bon. Monsieur a un très très bon joueur mais de là à dire que monsieur a prochain le bon là, m'pas d'arriver aussi loin. D'accord. Et puis et RB. Yeah. OK. Qui ça nous pensait de déclaration et président Golden State là t'es fait sur Kevin Durant sur impact li dans titre 2018 là. Qui sa déclaration t'es encore? Bon déclaration c'est ça moi t'es ouais que monsieur t'es dit
on baye ke pat vreman gen on joy nan, nan tit 2018 la avek Kevin Durant, pandan Kevin Durant te la, e mwè ke Kevin Durant si mba fonpe m li te, li pat kontan deklarasyon sa. So pat vreman gen on sa de, om ta di sa, pat gen on eksitasyon ou bien pat vreman gen an gouman. Mba konne si se prapo sa, si se deklarasyon sa ke Dekolin ta a fe referans avel. Si de Colin ka rappele, pas se pa bli ki gon paket deklarasyon ki fet, Bob Myers pon kantite deklarasyon apre e Andy Kevin Durant kite, gon cheke sa la kounya to. Gen deklarasyon kom jete fe kote li te fe louanj pou Kevin Durant. E gen deklarasyon kote ki gen deklarasyon sa pou pale an ki mwen fe. Mba konn ekzaktman di sa pale, men si se deklarasyon sa, e menen ekoute, mwen menm mwen ka djou ke an tanke moun e swa ap suiv Kevin Durant li menm par rapport ou fèt ke msye kite Golden State Warriors e par rapport ou fèt ke e jan ba lan fini kote jou an msye pale de Draymond Green, Draymond Green ap pale de msye e Draymond Green mwen ba li di kote ke l di konsa ke Kevin Durant kite kom si l da djou on epi Damocles sou tèt yo pendant tout sezon an pou l'interrogasyon eske l ap rete, eske l ap kite e pi li pa jan vle kle pou l di ki sa l ap fè. Sa mwen kwen konstituye ou bien kontribuye nan peut-être deklarasyon ke propriété lan ou bien general manager a fè. Ouais, moi je general manager. Moi je ne oui. Yes. So general manager li te di ke et ça me était avancé à so le fait que champion titre 2018 là avec Kevin Durant n'a pas vraiment porté en ken joie et by Golden State Warriors. So c'est ça. E bagay, Draymond Green nan fèt nan mi tan sezon 2019 la, wè? E, oui, au début. Nan début sezon, yeah. Nan début sezon. Mkwa zon oktob ou men novem kon sa? Ok, sa fè di ke, sa li pa genye oken impact sou roulasyon Kevin Durant nan. Men se certain ke, ekout, Kevin Durant pou mwen menm se pa, pou mwen menm li pon bagay ki fòsèman, et monsieur Golden State. Songe, par contre si me fait discussion ensemble avec vous déjà. Moi toujours dit ça, moi t'ai connait Kevin Durant a quitté parce que monsieur des grands problèmes le fait qu'il pensait titre lié avec Golden State Warriors t'a metté au sommet. Songe que Draymond Green gon live il t'a fait message avec qui média. Monsieur dit que le Kevin Durant fin champion avec l'équipe de MVP et puis le lendemain il tendait gen journaliste a dit que ah Kevin Durant champion but the best players like remain LeBron James. Monsieur dit que ça t'est choqué parce que il pensait que une fois que le fin champion prend deux il prend MVP etc. Songez que même Joe Monde dit ah Kevin t'as supposé meilleur joueur mais le fait que gen monde qui dit que écoute gardien LeBron James LeBron is still the best ça dérangeait monsieur lui-même. Moi pense que c'est peut-être ça tout qui vient engendrer problème avec Joe Monde parce que Joe Monde ouais ça. Et monsieur, le fait que monsieur pas dit la prise, c'est la quitter, je pense que bon pas de vérité là-dedans, parce que Kevin Durant lui-même pas content, non niveau pour le ta content, parce que ça a été souhaité que le tape jeune dans Golden State, qui c'est titio, lui joue ni, mais quantité praise que monsieur pensait que le tape jeune après ça, pour mettre au sommet du basket, il pas joué ni, parce que ça a dérangé, et ça a contribué dans le fait que général manager, tant que j'aime tape dit, fait déclaration que le t'ai fait. Tout à fait. E bon, mwen men sa m konse, se ke m pense ke bay Kevin Durant lan, se te, m gen presyon li te yon sot de foli ke Golden State te fe a l'epok. Yo te vreman bezwen an jan pou yo te ka e nou bati ekip la pou yo pile koze LeBron James an, fe tout bagay, fe, parce, la pou aple nou, avan ke yo te mette Kevin Durant la ekip la, et Golden State te font série côté le premier fois était champion sous Cleveland nan. Nous songez que équipe Cleveland nan, à l'époque son équipe qui était pretty much et démembré parce que Kyrie pat là Kevin Durant là et malgré tout le bon James t'a montré une sorte de force la série ça qui était un petit genre bon il était quand même ambitieux on dit il était frapper Golden State toute équipe Golden State là était au complet avec lui-même. So après ça, Negovin champion. Mais le fait que yo ouais que l'équipe Cleveland vin champion avec et tout Negov, yo pas vraiment gagne aucune solution. So yo te un petit peu, yo tal de Golden State, tal de Kevin Durant. Mais
Yo vin wè ke Kevin Durant ki vin nan men yo, li te vin an verita problem paske yo pat vreman wè koman e koman yo te ka kontinye ekip la avèk pou yo satisfè tout mam nan ekip la. So, nan Kevin Durant vin ale, ba yo ti jan vire, van vire, donk parol koman se aplage, vre parol yo koman se aplage kounye la. Non, se saten, e konsey de bagan ap konne sou le moun, de lèl ki te e basket. N'a pas de quitter basket totalement. Même j'en ouais dans Last Dance. Mais de Last Dance là pour Michael Jordan, David dit que conseil de bagaille sont pas inside de l'équipe. David dit que ou pas dans un d'équipe directement pas connait yo et c'est des histoires qui pas sorti pas avant que nèg a quitté parce que il y a ne pas dit pas j'me dit et pendant que l'a joué hein. Et on pas contre sous tendre ça apparemment un documentaire qui peut-être va faire un gros boom ici là tout peut-être pas même boom avec Michael Jordan là. Mais il y a parlé de quarterback in New England Patriots là et qui peut-être pral gagner pour faire ancien quarterback New England Patriots Tom Brady qui pral gagner pour faire un documentaire ne veut tant tout et moi pral intéressé regarder documentaire ça parce que faut moi relation que monsieur te gagne avec Bill Belichick faut moi parce que relation ça pas ton relation qui yes. Dit yes but nèg toujours montré que pas gagné. Mais tout le pile bagarre en bas qui indispensable en bas qui dit donc il est intéressant pour nous donc c'est même gens moi intéressant pour on est au sein de bagarre sous Cleveland Jean LeBron qui était Cleveland première fois Jean qui était deuxième fois parce que moi sur certains conseils de bagarre monsieur dit il pas bail toute vérité honnête parce que le style a joué et mais cool fin jouer moi pense que conseil de vérité que n'importe par exemple bagarre Boston qui était arrivé côté que gain monde qui était gain entre guillemets dit c'était bail personnel que monsieur était gain personnellement avec problème maman. Moi pense que li tape intéressant jou pou nou konn vérité a. Ça veut dire que deux nèg qui dans deux équipes là. Et monsieur Pedgen a peut-être pas parlé de ça mais l'autre monde qui était dans moment qu'on est ça que t'a privé parce que pas que qu'on est vrai. Est-ce que c'est ça? Donc c'est possible et c'est ça qui fait que jodi on a conseil de vérité que Jermon Green a parlé que Germain a déjà parlé que Kevin ni mais moi pour elle pas dit on série de paroles même si le film je le vérité parle pour la paix. Gon monde qui tacle là qui c'est Whistler, monsieur dit comment folie à citoyen Durant c'est un monde qui fait équipe ça. Yes. When... Yes, okay. Monsieur bon tac. Yeah. Bah, non, peut-être que moi ou des disons mot qui trop fort. Non, moi dit folie c'est par rapport avec Golden State folie que yo t'ai fait c'est parce que yo t'ai un petit genre peur par rapport avec et ascendance de LeBron James hein. Parce que et yo réussi. Oui. Son folie li pa nécessairement en connotation négative. Li juste parce que m'te bien expliqué, li te fon folie al de Kevin Durant parce que LeBron James te vin en force et que nèg yo te remarqué l'année avant LeBron James te manqué bat équipe yo malgré équipe la te démembré. L'année après LeBron James monté sou yo. Et puis après ça, il y a le Kevin Durant. C'est on fait, oui. C'est pas un bail que me raconter. Son bail qui là. Et il y a des mêmes jours que nèg yo et il y a des mêmes rapporter la petite histoire, il y a des comme ça German Green après finale là, monsieur dans parking là, il a crié, il a relé Kevin Durant pour venir dans l'équipe là. Donc non, mais parce que oui. Yeah, en fait c'est exactement ça dit hein, c'est que mon folie qui peut-être sonné mal avec connotation négative mais comme si on t'a dit où est qu'on joie là ou dit OK mais c'est ça pour me prendre pour comme si on t'a dit camper ça qui venir donc c'était Kevin Durant et nèg yo réussi dans tâche parce que yo vinn bat Cleveland et LeBron deux fois et ceci et on sweep avec un gentleman sweep tant que j'aurai le boy son 4-0 4-1 et n'était la blessure de Kevin Durant et de Klay Thompson l'année dernière on va me connaître Toronto était peut-être pas top champion donc ça veut dire que n'est réussi quoi hein, et c'est tant mieux pour eux. Exactement donc monsieur Zimouy ou songe toi oui me songe toi So Whistler bon me content le fait que ou ta claim. Bon, est-ce que Whistler, réponds-moi à live là. Est-ce que c'est Aïtouye? Oh là, c'était nous depuis Chili. Ah, depuis Chili. Ok. C'est intéressant. So, nous vivons Chili et m'da envie, mais surprise là. On est arrivé tacler Paul
Jodi a l'attaque ou tak la pou rapport a nepot sa ke misye, non de ki pense li ka tak l'épaule, entre en ba live la la, lage on tak de épaule, Herbi personnellement, sou Haïti, ma voyon, ma met ton code téléphone pou. Anali, Herbi personnellement, bay pou l'on tak la, live sou Facebook, si nou ka arrive tak l'épaule, Herbi a mette un code téléphone sou. So n'ap DM mwen et mwen ka ban nou m'ap ban nou et côté nou ka jwenn mwen, n'ap ban nou numéro téléphone nou et puis m'ap voye la. M'ap voye code la. Mwen chèm pa bien content ça. Et généralement, mwen gen seri de nèg ki gen ou ap gade live, n'yo pa ekri. Et mwen ta bien content ou ekri parce que mwen pense que nan moment ça écoute n'importe cadeau mon a besoin là il est intéressant pour que li a chercher lui mais moi là pour nèg rapidement tac là moi m'a parlé pour lui tout OK Paul il va mais en tout cas nous pendant que n'a tan on tac monter pour Paul Gilles Latouche encore monsieur dit dans quatre équipes ça yo Boston Philadelphie Milwaukee Toronto qui est-ce nous penser qui a plus chance de dominer est là dans prochain 3 à 5 années ça yo Milwaukee avec qui est Milwaukee Toronto je sais pas les deux. Attends, Milwaukee, Toronto, Boston, Philadelphie. Milwaukee, Toronto, Boston, Philadelphie. M'ba c'est Boston. M'ba c'est Boston, bien que Milwaukee, je dis en numéro 1, mais m'ba c'est avec ascension que Jason Tatum m'a pris. Et m'ba c'est que monsieur capable de venir selon moi mon superstar. Maintenant, ça crive, mais moi, quoi que y ait quelques éléments pour mettre dans l'équipe, je pense qu'il y a besoin de bon center et il y a besoin d'un shooting guard qui, pour moi, même plus constant. Ça veut dire qu'on shooting, on shot shooter. Dans style, par exemple, Carl Cover. Dans style, par exemple, qui est-ce que tu as dit? Dans style, par exemple, on Bradley Beal, par exemple. On sait qu'on est qui a shooté de manière régulière à 40% ou bien 39% 3 points régulièrement. Mais après ça, je pense que le fait qu'il y ait un coach qui est intéressant, il y a gagné, par exemple, Jalen Brown, il y a gagné Jason Tatum, il y a gagné, par exemple, et Marcus Smart. Pour ne citer joueur ça seulement, je pense qu'il y a gagné des éléments qui sont capables de déranger le monde, bien que il y a jeune, mais avec l'avenir, jeune à développer, avec un bon center, il y a capable l'équipe dominante dans l'Est là. Maintenant, Milwaukee, ça fait pas dire Milwaukee parce que je ne suis pas certain que Giannis a prêté dans Milwaukee. Bien que Gampil parle qui dit que monsieur dit la prêté dans Milwaukee, je ne suis pas certain que monsieur a prêté dans Milwaukee. Et je ne sais pas qui j'ai équipe sans pied de 3 ans. Bien que Giannis, forme de ça, monsieur a travaillé shoot là. Mais pour moi-même, c'est pas un joueur qui prend le passé de 100 affaires à 40 points, par exemple, par match. Et manche de progression, Giannis, selon moi-même, n'est pas un qui très, très, très grand. Et parce que combien dans jouet là ouais j'en shooté mécanique shoot tout pourcentage ou pas on m'a rien qui va exploser dans année en l'autre ouais moi quoi que Boston qui a monté en meilleur parce que non seulement il y a une histoire il y a un élément il y a juste besoin on gagne l'élément en plus pas dit Philadelphia parce que Philadelphia qui est ensemble une équipe qui est en crise et me pas certain que il est capable de développer une alchimie en Joel Embiid avec Ben Simmons pour que yo gitan développe exploser. Toronto yo gitan bon ti culture de champion et mais maintenant Pascal Siakam comme superstar ou pas certain le gamin trop loin. Et donc c'est ça fait pour moi même c'est trois moun sa yo. Alors parmi tout moun sa yo, je pense que Boston plus faire confiance comme du mon petit penchant parce que mon grand faible pour Brad Stevens comme entraîneur et style équipe Boston particulièrement mais pour moi même la bataille entre Milwaukee et Boston. Okay. Et Toronto à Philadelphia, je ne suis pas sûr. Ok, par rapport à ça tout, Wade Ibrahim de Colline, moi j'ai une autre question. Qui gens que nous, ouais, Pascal Siakam? Bon, et je vais vous faire répondre ça, et l'on partit. Et Pascal Siakam, monsieur son bon joueur, monsieur style anti-gen, pour qu'on finisse raffiné net. Non style li parce que monsieur soit regarder et soit si nous connait histoire Pascal Siakam monsieur son nèg qui commencé jouer basket là à partir de 15 16 ans so, yeah. monsieur anti-gen couille toujours les besoins raffinement mais monsieur qui a développé
en pile. Monsieur gagne pile potentiel et par rapport avec le li commencé et côté li et Kounia là. Parce que soit regardé et après de Kawhi Leonard l'année dernière, la finale là, Pascal Siakam c'est une équipe qui step up pour l'équipe là. Il était step up oui, gros moment. Oui, Pascal Siakam certainement. Ouais, so monsieur gagne avenir, exactement monsieur gagne avenir et gagne joueur, gagne joueur. Bon ouais. Bon ouais, c'était gagne l'autre question là. Bon merci beaucoup. Monsieur, m'gagne monsieur que Mounio va appeler gagne 4 à ce téléphone, you know. Yo va que vle, yo va que vle. Mais quitte le pour semaine là, quitte le pour semaine là et puis l'autre samedi peut-être. L'autre samedi peut-être n'a jeune nèg qui vient avec bon camp pour nous. Ben OK, pas un problème so. Bon ouais, si pas gagne l'autre question encore, bon juste garder si pas gagne l'autre question. Si pas gagne l'autre question parce que nous gagne arrivé sous moi une heure de temps là. Yep. Et l'émission va finir. Merci avec toute fanatique. Et gagnons bagay qui sous table là, ti monsieur. Pendant ce maintenant, depuis nous qu'arrivé tacler prudent pendant ce maintenant là, Herbie a voué un code téléphone sous cellulaire nous Haïti. Yeah. OK, n'avons ni juste direct message moi ou bien direct message bio et puis même m'a gérer ça. Ouais. But faut que Paul fait une vidéo pour le dire que li ouais tac là et que gon monde qui tacler vraiment. Yeah, non, depuis m'identifier lui et puis n'a fait ça ensemble et puis n'a contacté mon là. Mais ben pas un problème. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci avec tout le monde qui t'est branché. Et est-ce que autant gon dernier monde qui est-ce qu'on va parler de draft 2020 là? Ça c'est dernier bail là. La paye de draft 2020 en termes de ça c'est la dernière question qui... n'a point là. Et Andy, moun yo parle plus de lui, c'est bon. Uh-huh. Anthony. Anthony, c'est Cole LiAngelo. Yo parle plus de Joshua. James Wiseman. James Wiseman, Joshua et Ball. Et c'est pas un gros classe. Il faut que nous disions, c'est un gros classe côté comme ça, ou senti que un futur Hall of Famer qui a sorti la donne. Moi quoi par exemple Wiseman qui nous a développé un gros joueur basketball. Moi quoi que LiAngelo qui a développé un All Star par exemple. Mais pour moi même c'est pas comme si Ndadou et son gros classe. Et vin jouer Kounia basket collège dans campé. Nous te souhaiter jeune March Madness côté que tu as supposé découvrir quelques talents en plus. Et en occasion que nous raté malheureusement. Donc et c'est pas un gros classe draft et moi-même moi pas fait folie même pour LiAngelo par exemple. LiAngelo sont bon joueur mais pour moi-même c'est pas un joueur qui en faut parer vraiment pour entrer dans la ligue aujourd'hui. Son lit qui physique, son lit qui rapide. Monsieur gagne shoot que peut-être joint NBA et on dit équipe NBA a cherché à. Monsieur peut-être gagne un sens du jeu pour mener jouer que quelques équipes NBA mais aujourd'hui pour point guard dans la ligue là. Faut capable bay en moyenne 20 à 30 points par match. Mm-hmm. Faut capable shooter presque à 40% à 3, on dit 30 à 40% à 3 points. Et bon paquet et bon quantité de qualité physique, je dis monsieur qualité physique monsieur très pauvre. Et donc ils sont très bons joueurs, par exemple soit pas de monsieur de top 3 dans draft, ça veut dire que c'est pas une gros classe de draft et même si pour moi et par contre qui le basket collège a pour commencer étant donné que au poussé draft en tout. Peut-être que à l'avenir m'a connait mieux sous classe ça pour nous connait est-ce que on talent que nous pas connait que on parler de lui que nous pas connait que n'a découvert et ce que n'a pas gagné pour opportunité hein, pendant on dit et période coronavirus ça right bien oui seconde qui veut ta clo mais chap ta clo l'en fait émission j'avoue et puis des émissions qui c'est Wally Ibrahim des collines j'avoue mm-hmm. Et merci Gilles Latouche cap share live là et qui a aussi encouragé mon yo pour yo share live là en bas commentaire. Oui exactement so, c'est comme ça pour nous prendre popularité nous pour nous prendre ascendance nous c'est fanatique qui cap suivre nous là qui pour aider nous grandir donc toujours référer mon avec page bio sur Facebook sur YouTube sur Instagram et aussi regarder en bas sous bord gauche dans l'écran là nous tout et côté nous ca jeune bio dans toutes les réseaux sociaux yo. Et c'est nous qui aidez-nous grandir et puis n'a grandir à votre tour.
Et bon. Yes, et moi, ouais, gon Rodney, je dis que le remettant de moi, Marjan Pianpil, ça fait un plaisir, merci en pile Rodney, continue dans les noms. Ma formation pour me toujours paraître, surtout dans le bio. Chaque samedi, ma place à marquer d'ailleurs, donc toujours brancher nous, et puis évitez-en pour brancher tout, et pour live, pour nous capables de faire live ensemble. Exactly. Donc, et Wedi Brahim de Colline, n'a pas. Et question, n'abou et pour semaine prochaine et aussi n'abchecke l'autre tac qu'a fait sous Paul parce que Herbie gen kob la mette dehors pour fanatic Bill. Yeah, Bill et pas oublier connecter avec nous. Et n'a toujours là pour nous partager andi et connaissance nous et avec mon yo et c'est on avec un peu plaisir que n'a recevoir tac là. Ou pas je me connais mais si on tac des monsieur tout l'autre samedi. Et m'ap gade pou mwen ki sa m ka fè pou Chili parce m dere mwen intervention et mwen intervention Whistler. Donc m'ap gade ki sa m te ka fè pou Chili et si m ka jire Chili m'ap kontakte ou et ou gen dwa kontakte m tou et n'a fè tout sa n ka fè pou nou ka aide fanatik yo et oui, pou ka fè pote la joie bay fanatik yo. Oui, si gen cadeau k'ap bay, si bi wap bay cadeau, écoute. Ou pa ka mettel exclusivement pour nèg Haïti. C'est ça que fait me parler de Chili là, mais on va essayer tacler me live là. M'dégain temps parer pour baptisant ou m'dégain temps mettre me correct. So ça pas passé. On dégain temps mettre protège tibio pour tacler. OK. M'dégain temps parer baptisant. Bon, en tout cas, En tout cas, mon cher, bien content ou mettre protège tibio. Toujours mettre protège parce que quand pour toujours dans pied moi-même. Eh bien en forme. So merci fanatique yo. N'ap suiv bio, rete branché bio pendant semaine parce que nous avons pile bagay k'ap sorti. Yes, et semaine ça ka chaud. Pi chaud que toute semaine avant yo. Et moi même tant que Jean Mounyo kon di a même pour ça moi k'ap préparé là dans cuisine là et on est ou mettre préparer plateau parce que a bagay semaine là. Exactly. All right, fanatique, n'allez. Yes.